Hop, je reviens. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, les gars? Un petit Stade Toulouse. Rugby Club Toulonnais. Rugby Club Toulonnais face à l'Union Bordeaux-Bègles. Et c'est intéressant parce que moi, vu qu'on est en live et tout, on peut préparer tranquillou et voir un peu les enjeux du match qui nous attend. Et regardez, on a le cas. Attention. Et apparaît sous vos yeux, ébahi, le classement, pour montrer à quel point ça va être tendu et à quel point ce match il est important pour les deux équipes. Donc, salut Gabriel, salut Lucas, ça va très bien, ça va très bien. Salut Lunari, allez Clermont. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de Clermont, il va y avoir Toulon et Bordeaux. Vous savez, ce Toulon surcheaté qu'on a sur Rugby Challenge 4. Mon prono pour ce match, il est très difficile, honnêtement. Mais quel est le tien de prono, Arthur? Parce que on va regarder un peu les enjeux, après on va regarder les équipes et on va se lancer dans le match. Voilà. En ce moment-là, j'essaie de faire plutôt un live, ça me permet de répondre aussi bien. Alors je lis aussi vos commentaires après, hein, post-live, mais c'est cool aussi voilà, d'avoir un live pour pouvoir tranquillement parler aussi. Donc aujourd'hui, on va faire le Rugby Club Toulonnais face à l'Union Bordeaux-Bègles. Les enjeux, ils sont importants pour les deux, parce que l'Union Bordeaux-Bègles, avec la victoire qu'ils ont fait hier soir, si je ne me trompe pas, hier soir, ils ont gagné avec le bonus offensif face à Montpellier. Regardez, ils se retrouvent à un point du Stade Toulousain, le même nombre de points que La Rochelle, et ils ont même un petit avantage, un petit matelas d'avance. Petit, mais il y a un petit matelas quand même d'avance sur le Racing 92 et l'ASM Clermont-Auvergne, donc qui sont les 5 équipes qui ont validé plutôt leur ticket pour les barrages, hein. Ces 5 équipes, on le sait, elles y sont, elles seront barragistes à la fin de la saison. Donc il y a une place pour le 6ème, Toulon, Stade Français, Castres, Lyon, Bella, Bordeaux, s'ils veulent vraiment partir dans une demi-finale directe, il va falloir les gagner à Toulon. Et ça me paraît possible. Maintenant, vont-ils être cramés du match de hier? C'est la question qu'on peut se poser. De l'autre côté, Toulon, ils jouent très gros. S'ils perdent, ils ont besoin de faire un 100% parce que, je l'ai expliqué, pour moi, entre Toulon, Stade Français, Castres ou Le Loup, à mon avis, il y aura une de ces 4 équipes qui va faire un 100%, qui va faire double victoire. Et celle qui fera double victoire, ben, elle sera forcément devant toutes les autres. Donc Toulon, ils ont cette mission de gagner déjà dans un premier temps à domicile face à Bordeaux. Ils peuvent le faire, mais ça ne sera pas si facile que ça. Allez, on y va. J'avais envie de regarder, vous savez, comme j'aime bien faire, parce que vous savez, ce Toulon surcheaté, on va voir un peu les notes avant, parce qu'à chaque fois, je suis en vidéo et je suis en mode, bon, vous inquiétez pas. Alors, on va vite fait voir un peu l'effectif de ce Toulon surcheaté à chaque fois qu'on affronte. Et donc, salut Mathéo, salut, bonjour Lunari, je ne sais plus si je t'ai dit bonjour, mais bonjour à toi dans tous les cas. Joue Toulon, s'il te plaît, pour une fois, il faudrait les diminuer énormément. Parce que, ok, ben, bon appétit Mathéo, et puis à plus tard peut-être, si on est encore en live quand tu reviendras. On va voir Toulon un peu, parce que ce Toulon noté à 87,43, il semble inarrêtable. Alors d'où vient ce souci? C'est peut-être de là, hein. Est-ce que c'est plus de là que des joueurs? Après, les joueurs, ils sont bien notés. C'est vrai qu'un Paris C à 88 ou un Issa à 88. Ou un... bon, c'est vrai qu'ils ont quand même. Bélo, ah ouais, non, il a pété un boulon. Yikpe Fang, ah ouais, il a pété un boulon. Le mec qui a fait cette équipe, il a pété un boulon. Il a pété une durite. Hein. Non, je veux bien, il y a des supporters toulonnais là. Mais non, non. Non, tout simplement, non. C'est quoi ces notes absolument illogique. On va essayer de faire une équipe en tout cas crédible. Bello va-t-il faire son retour? Toyava, c'est sûr qu'il n'est pas là. Est-ce qu'on tenterait pas ça comme ça? Hop. On va mettre Carbonel, buteur et botteur, parce que je pense que voilà. J'en ai une que tu es. Ah, bon, t'inquiète, hein, mais c'est juste que là, les joueurs sont un peu trop bien notés, mais. Ils sont très bien, ils sont trop bien notés. Beaucoup trop élevés. Noté à 62. Ah oui. Plus crédible. Hein. Plus crédible.
Tu penses quoi du Racing pour la qualif? Alors, je pense que le Racing va être quart de finaliste. Il n'y aura pas de demi-finale directe pour le Racing. Maintenant, quart de finaliste, domicile, extérieur, ben, ça va batailler. Hein. Si Toulon arrive à gagner à Toulouse ce week-end, je parierais plutôt pour un quart de finale à l'extérieur pour le Racing. Sinon, je pense que Clermont. Mais Clermont peut gagner hein, ce week-end parce que Toulouse, ils sont vraiment en mode. Voilà, donc on comprend mieux maintenant pourquoi ce Toulon est inarrêtable. Les joueurs sont complètement pété. Bon, ça met un enjeu particulier, c'est marrant à affronter, donc voilà. Faut baisser dans. Alors, je suis pas sûr que baisser dans la tactique, ça nous chamboulerait. Tu vois, on peut essayer. Hein. Souvent, je mets 75 à peu près à tout le monde, ou on peut les mettre à 80. Hop, voilà. On va les laisser comme ça. On va les mettre comme ça. Alors là, leur note, elle est descendue à 83,78. Elle est encore solide, mais voilà, on va voir. Après, le Racing, on joue contre Agen et Brive, donc on peut amasser des points. Oui, non, mais pour moi, je les vois faire. Après, la demi-finale directe, ça semble compliqué. Je peux me tromper, mais ça semble compliqué. Je vois plutôt La Roche. Si je devais oser un truc, j'annoncerais les deux premières du classement. Petite surprise, j'annoncerais La Rochelle et Bordeaux. Voilà, je serais tenté d'annoncer La Rochelle et Bordeaux. Pourquoi? Je m'explique. Parce que La Rochelle, déjà, ils sont quand même solides. Et pourquoi je ne vois pas Toulouse et surtout ça, c'est que Toulouse, je les vois vraiment perdre ce week-end face à Clermont. Ce qui amènerait une descente. Voilà. Voilà. Pour toi, ton top 6, ça fait 1 Toulouse, 2 La Rochelle, 3 Racing, 4 Bordeaux, 5 Clermont et 6. Ah bah oui. Ben, moi, comme je dis, alors 1 et 2, dans quel ordre? La Rochelle, Bordeaux, je ne sais pas l'ordre encore. Troisième, peut-être Toulouse. Quatrième, Clermont. Cinquième, le Racing. Et sixième, le Stade français. Allez, on va parier sur ça. On va parier sur ça, mais c'est difficile. C'est difficile. Pas équipe à 15 créés. Allez, on va le mettre. Donc, Toulon qui va jouer à domicile, qui joue sa survie. Non, pas le Racing. Toulon. Toulon peuvent-ils le faire? Jouer leur survie à domicile face à l'UBB. Voilà, on va voir. L'UBB est nettement moins bien noté, mais bon, au moins on les a un peu baissés. Donc si on gagne trop facilement. Non. Ouais, non, on va jouer en blanc et on va aller laisser le maillot classique du côté de Toulon. Difficulté pro. Alors qu'est-ce qui ressemble à Mayol, les gars? Cherche un stade comme Mayol. Ouais, y a pas trop, y a pas trop. On va mettre celui-là, mais il me paraît grand, Franklin's Garden. On va mettre 15 minutes, tranquillou. Horaire de jour, c'est le jour. Condition beau temps et loi normale. Et en avant. Donc on commence la première mi-temps avec Bordeaux. Si c'est trop facile, on le changera, mais bon, voilà. Salut Arthur! Alors attendez, je bois un coup. Et oui, dommage qu'il n'y ait pas Mayol en stade. C'est vrai que dans les anciens, il y avait eu des patchs et sur PC, on arrivait à avoir les stades. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est très dur à définir, Arthur. On est d'accord pour voir un top 6. Après, le Stade français est le mieux placé quand même pour la 6e place. Maintenant, Toulon, s'ils gagnent à domicile. Mais après, ils ont un match à Castres, quoi. Ils ont vraiment un enchaînement difficile. Toi, tu dis Toulousain, La Rochelle 2, 3 Racing, 4 Bordeaux, 5 Toulon, 6 Clermont. Tu vois Toulon devant Clermont. C'est osé, hein. C'est très osé, hein, ça pour moi, parce que.
Ça veut dire que tu vois Toulon gagner leurs deux derniers matchs, c'est-à-dire face à Bordeaux et face à Castres. Au vu de ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, c'est difficile d'imaginer Toulon déjà gagner un match face à ces équipes à leurs deux. Parce que Bordeaux va sur un... Ouais, alors c'est vrai que Bordeaux va peut-être manquer de gaz, on est d'accord, hein, aujourd'hui. Enfin, ils ont joué hier, donc c'est... Le perfect, l'entrée à mêlée. C'est parfait. Allez, attention. Allez, Lamera. On tente. Voilà, le crochet intérieur qui n'est pas passé. C'est pas grave. On conserve. Allez, Petit. Lamera. Mais non, la passe n'est pas bonne pour Cordero. Et Cordero qui se blesse. Parfait. Alors, il a été beaucoup blessé avec le bébé depuis qu'il est là. Ah ouais, on est obligé de mettre Tamani Valou. Y a pas, je pense que j'ai pas l'impression qu'il y ait Buros. Bon. Et salut Mathieu RCT, supporter du RCT j'imagine. Vois-tu ton équipe finir dans le top 6 à la fin de la saison? De manière, essaie de le dire, de trouver de manière objective, est-ce que tu penses que Toulon va le faire quoi? Allez Moefana, lame, allez lame, le crochet, bien plaqué. Moi comme je le disais, pour la course au top 6, Poirot, j'ai... Oh, Lamera à l'intérieur. Oh, la faute. Monsieur l'arbitre. Et le carton jaune. Est-ce qu'on ne prendrait pas la mêlée? On est solide sur la mêlée depuis le début du match. Clairement, on joue contre La Rochelle et Toulouse. Donc, ils ont de grandes chances de perdre. Après, pour Toulon, c'est vrai. C'est un... Ouais. On va tenter. On prend la mêlée, les gars. On est joueurs. Toulon est à 1 de moins, en plus. Voilà, on va le tenter. J'espère qu'on va pas le regretter parce qu'on le sait que Toulon c'est dur à prendre. Allez, Lamera il est fort pour attaquer. Ouais, mais non, là il est stoppé. Faut insister, même sans je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, Tamani Valou, voilà, qui vient de remplacer Santiago Cordero. Tu penses que le top 2 va se disputer entre le Racing, Toulouse, du bébé là? Ah bah là, là tu vois large, et ça on est tous d'accord, parce qu'on a du mal à voir clairement aller le chercher le top 2, donc oui c'est plutôt... Mais le Racing, je pense qu'ils ont déjà un peu trop de retard. Je pense qu'ils ont un peu trop de retard sur les trois premières. Pour moi, c'est difficile d'imaginer le Racing et clairement aller chercher un... C'est difficile d'imaginer clairement aller chercher un top 2. Voilà. Mais le Racing aussi, j'ai du mal à... Voilà. Oui, mais ça va être chaud parce que Toulon est beaucoup sous pression par Castres et le Stade français. Ouais, Castres, Stade français. Et puis, n'oublions pas Lyon. Hein. Lyon, ils sont en course. Ils ont, on rappelle quand même qu'ils ont un match face à Agen. Eux. Match face à Agen, ça veut dire 5 points validés. Donc en vrai, si ce week-end Lyon ils battent le Stade français, ça symbole le top 6 pour le Loup. Enfin, aucune des 4 est éliminée. Vraiment, il n'y en a pas une qui sort plus du lot que ça. Il n'y en a pas une où tu te dis elle est vraiment meilleure que les autres. Entre celle-là et voilà. Donc, allez, Lamera, le retour pour Nance Duquin. Il est pas mal, il est pas mal cet essai. Et on va aller marquer le deuxième essai de ce match. Peut-être qu'on va jouer, les gars, les supporters toulonnais, soyez contents. Si on envoie du pâté en première mi-temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jouer avec Toulon en deuxième mi-temps. Et salut Akatsuki, petit clonage. J'arrête, je te fais tout le temps ces blagues à la con. Chaque fois que je te vois, j'arrête. Allez, Mathieu Jalibert. Allez, Jalibert. Pour la transformation. Ça devrait passer. Et Bordeaux, quand même, ils arrivent fort. Et puis, encore une fois, Bordeaux, sur le match, sur la demi-finale de Coupe d'Europe, face à Toulouse, ils les tiennent. Hein. Ça se joue pas à grand-chose. Hein. Rappelez-vous le match. C'est un match tendu. Ils sont bons, Bordeaux. Hein. Alors, ils éliminent Bristol de manière un peu chanceuse, mais ils les éliminent quand même, faut le dire. Ils éliminent le Racing, aussi de peu. Alors, c'est vrai qu'ils se sont qualifiés, mais ils ont fait un beau parcours européen. En top 14, ben, ils sont complètement là, hein. On va pas se le cacher. Ouais, non, Bordeaux, moi je dis. Alors,
Vont-ils vraiment manquer de gaz? C'est vrai que, honnêtement, là c'est les droits de Canal, mais Canal, je suis désolé, mais vous savez que j'ai pas trop ma langue dans ma poche, mais Canal, ils font chier. Ils font chier. Parce que c'est Canal qui demande à ce qu'il n'y ait pas de match le dimanche. Parce que, entendons-nous bien, t'as une équipe qui joue mardi. Tu peux au moins faire une exception, te dire, ok, d'habitude, on finit toujours les matchs le samedi soir de la journée. Accepte-leur une petite journée de plus de repos et fais jouer le match dimanche après-midi ou dimanche soir. Non, tu les fais jouer samedi après-midi. Les mecs, ils ont joué mardi soir. Enfin, je sais bien que Canal, ils ont tous les droits parce qu'ils paient du fric et ils nous pourrissent le championnat avec toujours leur truc. Parce que le truc de ne pas changer un top 12 mais garder un top 14, on sait très bien que ça vient beaucoup de Canal+. Mais enfin, à un moment, c'est pourrir le truc. Alors que c'est pourrir le truc, alors que en vrai, ça faisait quoi? Ça faisait quoi de jouer un dimanche après-midi? Rien. Ça rendait juste le match plus équitable. Ça rendait la saison plus équitable. Voilà, c'est dommage. Et bon, après, encore une fois, moi, je sais que Urios, il a des trucs, mais est-ce qu'il va pas faire une impasse et se dire, bon, on va perdre ce match parce que. Tant pis, et on va jouer le match à fond, à domicile, dans une semaine, face à Toulouse. Les Toulousains qui auront peut-être encore cet esprit un peu cramé de la Coupe d'Europe, et voilà. Bon, voilà. Le Racing, c'est fort possible, il reste deux matchs, ils vont à Agen, et c'est sur 25 points, oui, c'est vrai, ensuite Brive-Allain. C'est vrai que le Racing a un... Oh là là. C'est vrai que le Racing a un... Le numéro 7 Je vais y arriver, je vais y arriver, vous allez voir, je vais y arriver. Le Racing attaque la a ligne. une fin de calendrier assez simple. Lamera. Oh là là, et Moefana. Il court vite, non, pas très vite, pas très vite, faut aller en angle. Allez, Moefana. What the do? Et on a marqué. Bon, les gars, avoir baissé juste un peu les tactiques, les points, les attributs tactiques. On voit que ça compte, hein, les attributs tactiques, là. Les attributs tactiques de Toulon. Et vous inquiétez pas, on va essayer de faire la remontada avec Toulon en deuxième mi-temps et on va envoyer du pâté en deuxième mi-temps. Je vous l'annonce parce qu'il y a peu de chances que Toulon revienne beaucoup dans le match là. En deuxième mi-temps, on va jouer avec Toulon et on va jouer la remontada. Mais bon. La meilleure équipe championne du monde, c'est laquelle pour toi? Moi, c'est l'Angleterre en 2003 et la Nouvelle-Zélande en 2015, bien que le rugby ait changé. Je parle de celle qui dominait le plus de leur époque. Alors, c'est une question intéressante. Et déjà, je n'irai pas. Moi, j'irai. Je suis né en 90, mais j'étais pas assez connaisseur pour juger la Coupe du Monde avant la Coupe du Monde 99. Voilà. Sur mes 9 ans, en 4... Allez, on prend l'essai quand même. En 99, là, ça y est, je suivais déjà pas mal le rugby. Alors, le pire, c'est qu'en 95, je commençais le rugby. Hein, j'étais un poussin, je crois. Donc, je jouais déjà au rugby au Beaumont de Lomagne. Mais de mémoire. Je me suis intéressé au rugby, à la télé et tout, autour de. Pas le premier titre européen de Toulouse en 96, mais un peu après, vers 98, quoi. Donc en 99, l'Australie gagne. Est-elle dominatrice? Plutôt, oui, quand même. Tentative de En trois points 99, d'écart. l'Australie de 90. Le Cette 10, époque-là de l'Australie, quand même, on rappelle que c'est une Lamera Australie qui Qui finit aussi en finale et qui perd de rien en finale de la Coupe du Monde 2003. C'est un peu la même équipe qui est celle gagnée en 99. Tu étais peut-être jeune, je ne connais pas ton âge. Mais cette Australie-là, elle est assez incroyable. L'équipe anglaise qui domine énormément 2003, qui arrive aussi en finale de Coupe du Monde 2007, elle est très solide aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que la Nouvelle-Zélande Réception 2015, qui est en partie aussi en en contre 2011, coupé c'est pénétrant vrai de qu'en Saint-Paul qui continue y réfléchissant comme d'avancer ça, pour moi, il y après a avoir été trois équipes dominé nationales par qui ont l'Arthur un en peu deuxième période roulé avec cette sur frappe. le rugby mondial. C'est la Nouvelle-Zélande, c'est vrai, des années 2010-2015, même 2016-2017. C'est l'Angleterre 2001-2002 à 2006-2007. Et l'Australie quand même de 98 à 99 à 2002-2003. C'est vrai que ces derniers temps, du genre en ce moment, t'as pas une équipe qui domine plus que ça. Il y a Le l'Afrique du numéro Sud, elle est 7 championne du monde, écarte certes, impeccablement. mais domine-t-il outrageusement le rugby mondial pas tant que ça? Et Moefana, renvoyé, on tente la petite passe, on retrouve Jefferson. Poirot bien maintenu, mais peut-être un petit pick and go avec les gros. Regardez, on va y aller avec Higginbotham. Voilà.
penses quoi de Fiku Vakatawa, Thomas Bill Russell? Bah, c'est très fort, hein. Il y a encore Simon Zebo. Même si Zebo il part à la fin de l'année, je crois. Je suis désolé, mais c'est Toulon de 2014. Alors, on peut hein, parler des clubs aussi qui ont énormément dominé. Et Toulon en fait partie. Toulon en fait partie. Et ça a été une équipe très dominatrice. Hein, en leur époque, ouais, 2010-2015. Les Saracens 2015-2020. Il y a eu Leicester aussi autour des années 2000. Toulouse, c'est plus sur la régularité en vrai. Est-ce qu'ils ont vraiment écrasé, mis de leur ils écrasent sur la longueur, Toulouse. Mais c'est vrai que j'ai pas souvenir. Alors, quoique, encore une fois, faut pas voir que la Coupe d'Europe. Parce que c'est vrai que c'est bête de s'arrêter juste à la Coupe d'Europe, mais le championnat est important. Et je crois que d'ailleurs, l'année où ils sont champions d'Europe pour la première année, en 96, ou autour de ces années-là, ils font quand même un triplé, je crois. Ils gagnent 3 années d'affilée. Alors, pas le top 14, parce que c'était top 16, etc. Enfin, ça avait dit référendum, mais le championnat de France, ils gagnent le bouclier de Brennus. En tout cas, voilà, ça, c'est toujours le même nom de trophée. Ils gagnent le bouclier de Brennus de mémoire. 3 années d'affilée, je crois, le Stade Toulousain, ce qui est assez incroyable, hein, en vrai. Ouais. Après, t'as Exeter en ce moment quand même qui domine énormément. Alors à voir hein, s'ils arrivent à ramener, mais s'ils arrivent encore à ramener le titre de première type cette année, c'est quand même assez incroyable. Hein. L'an dernier, ils font le doublé d'Europe. Ils sont à 5 finales dans leur championnat consécutif, plus donc une Coupe d'Europe, plus une Coupe anglo-galloise, 2 titres de première chip. Voilà. En France, est-ce que tu as un dominateur en ce moment? Bah plutôt Toulouse, alors à voir, hein, mais Toulouse quand même c'est le tenant du titre. Hein, mais, oh, est-ce qu'ils sont considérés encore comme tenant du titre? C'est une bonne question, je crois pas. Je crois que c'est les derniers vainqueurs du top 14, mais je crois qu'il n'y a plus de tenant du titre. Je vais boire une gorgée pour la mi-temps. On a mis une belle raclée là, mais attention, est-ce qu'on va réussir à faire la remontada? Avantage plutôt important pour eux dans cette partie maintenant. L'équipe de Bordeaux. Est-ce que vous pensez? C'est dommage qu'on ne puisse pas mettre des petits enjeux de Paris là. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à faire la remontada et à gagner ce match? Toulon est mieux noté. Toulon est plus solide hein, sur ce jeu là. Hein. Je parle pas en vrai. Hein. En vrai, pour moi, c'est l'UBB le meilleur. Mais là, est-ce qu'on peut le faire? C'est dur, hein, c'est dur là, parce qu'il y a beaucoup d'écart. Hein, 35 points d'écart, ça veut dire, voilà. Meilleur outsider, Castres. Oui, Castres, c'est... Ben, Mathéo, toi, est-ce que tu vois Castres le faire, toi, cette année-là? Peut-être pas le titre, hein. Le titre, ça sera quand même compliqué, mais au moins aller chercher la qualif en barrage, quoi. Est-ce que tu vois Castres le faire? Ça pourrait être... Moi, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien Castres. Pour qui je suis... parmi les 4 qui vont jouer le barrage, Lyon, Castres, Stade Français et Toulon, je vais vous expliquer pour qui je suis. Je suis pour Castres. Pourquoi? Mais pourquoi, Geekman, es-tu pour Castres? Parce que si après, comme ça, ils se qualifient en grande Coupe d'Europe, s'ils sont dans le même tableau... que Exeter, c'est plus facile pour moi en tant que Toulousain d'aller à Castres que de devoir aller à Toulon, à Lyon ou à Paris. Il fait la passe. Oh là 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 là. À Paris, c'est limite si j'irais pas en vrai. Si j'irais quand même. Il essaie de le récupérer au contest. Ouais, vous êtes. Bah, vous êtes pas loin du tout, ça c'est sûr. Attention, attention, allez. Oh là là, on est pris avec Baptiste Serein. Allez, il faut y aller, Serein. C'est bon, on va revenir avec Corden. Oh là, on l'a obligé, c'est bien, on l'a obligé, mais il faut. C'était tendu. On l'a obligé à jouer au pied. Tu penses, Lise, qu'on va faire la remontada? On le souhaite. Toulouse, s'ils perdent contre Clermont ce week-end, ils mettent en danger parce qu'après... Ah, mais s'ils perdent Toulouse, je le dis depuis pas mal de jours maintenant, Toulouse, il leur reste 2 matchs comme tout le monde. Pour s'assurer une demi-finale à domicile, ils doivent gagner un match. Point. Ils doivent en gagner un, hein. Ils n'ont pas le droit, hein. Ils n'ont pas le droit de perdre les 2 matchs. Donc, vont-ils le faire? C'est une pénalité. Aïe, aïe, aïe. Oh, si, c'est bon, on les a mis à la faute. J'ai cru que ça allait être moi, hein, pour la main au... Allez, on va aller en touche. On n'a toujours pas marqué dans cette... on est... Pas facile, pas facile. L'UBB qui tient le coup.
La remontada n'a pas encore été enclenchée, hein, les gars. Et salut Joseph. Ah, fraude Castres, moi ils sont. Est-ce que tu peux vraiment appeler ça une fraude? Parce que quand même, ils ont été réguliers. Et puis, ils avaient le. Enfin, en quoi c'est une fraude quand t'as le meilleur entraîneur français? Enfin, un entraîneur. Oh, allez, Payaua. Voilà. Allez, c'est le début de la remontada, les gars. On y croit. On va le faire. Non, pour moi, Castres, faut pas oublier quand même qu'ils avaient le meilleur entraîneur français à l'époque. Maintenant, c'est Bordeaux qui l'a. Maintenant, c'est Bordeaux. Et ça peut compter, on le sent. Hein. Quand même, l'an dernier, Bordeaux, c'était vraiment la meilleure équipe du top 14. Si on va jusqu'à la fin de saison, ils sont sans doute champions de France. En tout cas, au moins champions de la saison régulière. Remake de la finale de la Coupe d'Europe avec La Rochelle qui gagne cette fois. Peut-être. On va leur souhaiter à nos amis Rochelais parce que quand même... avec Dakouaka, on n'a pas pu faire la petite passe. C'est pas grave, il faut insister. Mais Serein, il nous fait des passes. C'est une calamité. C'est une calamité, hein, Baptiste Serein. Comme en vrai, hein, il sait pas faire de passes. Allez. Et on les met pas à la faute, on y croit à chaque fois. Mais non, attention. Ouais, il repique intérieur, il va tenter la chandelle. Allez. Ça va, Ikpefan, par contre on n'a pas fait d'arrêt de volée. Mais il s'est blessé. Alors, Ikpefan, il va être remplacé à Jolmes. Non, vu que Jolmes, il a lui bébé d'ailleurs maintenant, Jolmes. Qui on met les gars? Il n'y a pas vraiment de... C'est une gâteau et avant. On va mettre Isaiah Toyava. Lanceur de pizza, c'est ça. C'est ça. Baptiste Serein. Allez, ben, ça tombe bien avec le sponsor Pizzorino. C'est peut-être pour ça, hein, Serein. Peut-être qu'il tient à... il a à cœur. Allez, Carbonel qui a débordé. Qui repique intérieur pour Dakouaka. Il a à cœur de montrer le maillot et montrer qu'il est fier de ce sponsor Pizzorino. Et voilà pourquoi il fait des passes de lanceur de pizza. Allez, Payaua. Allez, Cordain, encore pour Setiano. Alors, Setiano, est-ce qu'il va avoir les cannes? On dirait bien que oui. On va pas repiquer plus intérieur que ça. On va pas repiquer derrière. Il a vu le coup de gueule de Christophe Urios sur la conférence de presse sur le match de Castres. Oui! Oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup Urios. C'est vraiment mon entraîneur préféré en France. Que ce soit sur ses capacités, parce que c'est le meilleur. Parce que s'il faut faire du jeu de gros, du jeu pénible dans le rack, il sait le faire. S'il faut créer du jeu, avoir une équipe qui envoie du jeu, il sait le faire. C'est aussi le mec qui a pas sa langue dans sa poche, qui dit ce qu'il aime pas, qui dit ce qu'il aime. Il a l'accent du terroir. Tu vois que c'est un bon vivant. Enfin, il a tout. Il a tout pour te faire te dire « Ouais, le rugby, c'est encore comme je l'aime. » Parce que tu as des entraîneurs qui il a vraiment tout. Il a tout parce que tu vas avoir... par exemple, tu vas me dire « Ah ouais, les Toulonnais vont pas m'aimer. » Mais quoi, je suis pas sûr que les Toulonnais soient fans de Colazo. Mais Colazo, vous allez me dire « Ouais, il a un accent, il fait « Allez, Carbonel, le retour, allez, c'est Tiano !» C'était là, pourquoi pas le doubler. Sauf que Colazo, le mec, il gueule juste pour gueuler, quoi. Il gueule pour gueuler, mais alors qu'on en a rien à péter de ce qu'il gueule, et il dit n'importe quoi. Urios, quand il gueule, t'as quand même une réflexion, t'as quand même un pourquoi du comment. Là où Colazo, en vrai, il gueule juste pour gueuler, quoi, sans aucun intérêt. Quoi. Genre, le mec, voilà. Mais ne le prenez pas mal, les Toulonnais, ce n'est pas contre votre club, c'est juste l'entraîneur qui, pour moi, T'as Urios et Colazo, c'est vrai que les deux font un peu côté, c'est des anciens première ligne dans le rugby, ils font penser au rugby d'époque, mais t'en as un qui est quand même beaucoup plus talentueux et beaucoup plus malin, je trouve, dans ses choix, que ce soit avec les médias, et puis voilà, et qui est meilleur aussi, parce que le mec, il réussit partout où il va. Genre, vraiment, lui, à Oyonnax, il envoie du pâté, à Castres, il arrive à envoyer du pâté, et là, avec un Bordeaux qui n'arrivait jamais à aller dans des phases finales, à jamais quoi que ce soit, le mec, il les met premier de saison régulière l'an dernier sans le Covid, voilà. Cette année, il les amène directement en demi-finale de la Grande Coupe d'Europe. Et il est parti pour les amener encore en phase finale de top 14 avec potentiellement encore un titre.
Urios, c'est Urios pour moi, c'est aussi talentueux qu'un Rob Baxter, que les très gros entraîneurs auxquels on peut penser, quoi, ouais, c'est vraiment le truc de fou. Et la remontada est en marche, les gars. Vous voyez, là, on fait honneur au rugby club toulonnais. On n'est plus qu'à... Attention, voilà. On va être plus qu'à un essai transformé. Regardez, il envoie là. Ben, en plus, il est frais. Donc, en plus, ben, forcément, hein, le joueur, il est frais. Il envoie du pâté, forcément. On est à un essai transformé. Il reste 12 fausses minutes. Il y a moyen de gagner ce match. Deux essais transformés. On a mis du temps à lancer la remontada, mais on est en train de le faire. Allez, Olivon. Eh ben là, voilà, il fallait dire ça. Non, ça va, on va conserver. Mais ben là, vous le ressentez quand même à quel point le jeu il est trop facile. Je rappelle qu'on joue en difficulté la plus difficile. Difficulté la plus difficile. Ça fait mal aux fesses quand même, non? On a mal de se dire quand même. On met un match de 15 minutes. On met la difficulté la plus difficile. Sur la première mi-temps, je mets 42 à 7 avec Bordeaux face à Toulon. Je récupère Toulon en deuxième mi-temps. Et je suis en train de leur mettre un 28 à 0. Il y a quand même un souci, quoi. C'est pas les 8 premiers qualifiés en Champions Cup. Alors, je ne sais pas si tu as une info, Katsuki. Moi, pour l'instant, j'ai aucune info. Pour l'instant, je ne sais pas du tout la règle. Est-ce qu'on va bientôt la voir? Est-ce qu'on l'a déjà? Faudrait aller sur le site de l'EPCR si c'est tombé. Pour moi, j'ai pas la règle encore. On ne sait pas si ça va être le même système que ce qui était prévu cette année, c'est-à-dire deux poules de 12. C'est ça, c'était deux poules de 12 avec... les 4 premières à qualifier en quart de finale de Champions Cup, du 4 à la 8, basculer en challenge européen, et du 9 à la 12, complètement éliminé. Et en challenge européen, donc, c'était une seule poule de 16, c'est ça, je crois. Ou est-ce qu'on va revenir à l'ancien modèle avec 5 poules de 4 ou un nouveau modèle? Alors malheureusement je pense qu'il n'y aura pas de nouveau modèle, même si je trouve que ça mériterait un nouveau modèle, parce que pour moi le 2 poules de 12, bon, même si je vois qu'il peut avoir un intérêt, et il aura un meilleur intérêt cette année, parce que cette année les championnats vont jusqu'à la fin, là où l'an dernier les championnats n'étant pas allés jusqu'à la fin, t'avais des poules où t'avais deux équipes, deux des plus grosses favoris de la Coupe d'Europe, Exeter et Toulouse, qui s'affrontaient pendant les phases de poules. Ben, t'avais des trucs qui allaient pas, mais dû au fait que Toulouse n'avait pas pu finir sa saison. Ben, voilà, il y avait des choses comme ça qui font que ce système, je demande à le voir à l'œuvre. Ah, on se fait gratter la balle, les gars. La remontada, la remontada, c'est pas possible. Voilà, je vous blablate et on fail la remontada. Aïe, 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 aïe. Quelle erreur. Oui, le problème du jeu, c'est ça, c'est trop simple. Regardez ça, quel talent, il fait exactement ce qu'il faut pour marquer. Le PCR, on dit que ça sera le même format que l'année... Que l'année prochaine. Que ce qui était prévu cette année. Transformation. Oui, donc ce serait 8 équipes de Pro 14, 8 équipes de première chip et 8 équipes de Top 14. Montpellier ayant déjà chippé une place. Si c'est ça, Montpellier a déjà chippé une place. Hein. Donc ça veut dire que c'est que les 7 premières qui vont se qualifier en Coupe d'Europe. Si c'est ça, hein. Alors après, encore une fois, pour moi, il n'y a rien d'écrit sur le papier. Rien. Bon, on perd avec Toulon. On n'a pas réussi la remontada. On concède même un dernier essai. C'est trop simple ou trop dur? C'est beaucoup trop simple, ce jeu. Salut, Scott. Ce jeu est d'une simplicité enfantine. Hein, j'ai pas peur de le dire. Alors, c'est vrai que bon, le jeu, je le connais par cœur aussi. Mais malgré tout, il est vraiment très simple. Il est très simple. Hein, oui. Tu veux un jeu compliqué, tu lances ça, quoi. Qui est le seul jeu de rugby un peu difficile, quoi. Ah, et celui-là, j'attends sa suite avec impatience. Hein. J'aimerais qu'on en ait une, mais... Ben, je comprends. En fait, le truc, c'est qu'ils savent pas... En fait, Mathéo, c'est difficile de mettre une difficulté plus haute. Je m'explique. Chargé parti, j'ai des parties. Hein.
Je vais faire bugger le truc. Oula, oula, oula. J'aurais pas dû mettre chargé parti. Le jeu est... Le jeu a pas aimé, je crois. Donc pour mettre des difficultés au-dessus, comment tu le fais? Parce que si tu mets juste, ouais, tu perds tous les ballons dans les rucks, bah, l'intérêt il est pas là. Le souci c'est que en fait les défenses sont nulles et que si tu envoies la balle à l'aile, tu vas gagner, tu vas marquer. Et quand tu sais ça, même si j'essaie de ne pas en abuser, regardez bien, j'aime essayer d'aller attaquer le centre du terrain et tout, mais forcément des fois tu vas être tenté d'y aller quand même sur l'aile. Bah, tu vas avoir envie de le tenter de passer sur l'aile. Forcément, et sur l'aile, tu vas passer, tu vas aller planter l'essai. Je relance le jeu pour voir, parce que là, il a bugué, j'aurais pas dû mettre chargé, je pense. Peut-être que je l'ai fait, je l'ai énervé. Et pour qui au rugby? Je suis pour les Exeter Chiefs, pour le Stade Toulousain. Pour l'équipe d'Angleterre, pour l'équipe d'Écosse. Après, je suis très rugby britannique, moi. Là, j'aime beaucoup la Grande-Bretagne. C'est sur Canal, la tournée des Lions, cet été. Ben, j'aimerais bien, hein, vu que j'ai Canal. Mais je n'ai pas encore entendu d'infos particulières. C'est quoi, composition, hein? Je regarde. Ok, on a les clubs de top 14. Qu'est-ce que j'aimerais bien vous faire? Attends, je regarde quel match on peut faire et qui peut être sympa. Évidemment, je comptais vous faire à Stade Toulousain, clairement, hein, vous imaginez bien. Mais bon, ça, je le ferai, je pense, une prochaine fois. Il y a quoi comme match de top 14 intéressant? Ou de Pro D2, c'est vrai que ça peut être marrant de faire un match de Pro D2 qui nous attend. Hein. Quel match va être intéressant? La Rochelle-Pau, hein, La Rochelle-Pau, il y a de l'enjeu. Hein. La Rochelle-Pau, il y a quand même un peu d'enjeu. Bon, au pire, on lance et on verra ce qu'on va tomber. Tu vas faire des vidéos de jeux rugby sur tel? Non, c'est pas prévu vu que je joue pas du tout sur téléphone aux jeux de rugby. J'ai quand même j'ai tout le panel de jeux de rugby. Qui on prend? Allez, on va jouer avec La Rochelle. J'allais dire on va jouer avec Clermont. Non, Clermont, je le réserve pour affronter le Stade Toulousain. Et là, le jeu a vraiment des difficultés de fou d'ailleurs. On va mettre difficulté club, ça nous convient. Je pense que le temps de retrouver nos trucs. Mais vous avez vu tous les niveaux de difficulté sur ce jeu. Et là, il y a des vrais niveaux de difficulté. Hein. C'est un réel plaisir à chaque fois. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, donc je vais être mauvais. Je vous l'annonce de suite. Je vais être très mauvais, mais bon, voilà. Tu as quoi comme config? J'ai une RTX 2080, 16 Go de RAM. Un disque dur. Enfin, je suis un disque dur, mais c'est pas ça très important. Mais un disque dur, j'ai 2 Tera sur disque dur classique et 1 Tera en disque dur SSD. Et le processeur, c'est un AMD assez performant, assez solide. J'ai un ordi solide. J'avais payé, hein, mais voilà. T'es pas pour la France? Non, je suis pas plus que ça pour la France. Alors après, encore une fois, j'ai rien contre la France. Hein, c'est un peu comme ceux qui croient que j'ai quelque chose contre Clermont. Non, juste pas pour Clermont, mais je suis pas non plus contre Clermont. Ben, je suis pas pour la France, mais je suis pas contre la France non plus. Je suis pas un supporter de la France. Mais comme vous, je sais pas, vous êtes pas supporter de Brive. Voilà. Allez, on va affronter Brive. C'est pas ce match. Hein. Ce serait trop beau que ça tombe sur ça, mais non, ils affrontent Pau, La Rochelle, c'est ça. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Bon, on va faire un. Mais bon, c'est histoire de reprendre, de finir le live sur un petit match comme ça. On essaie de réapprendre les touches. Ça va être laborieux. Les maillots, ça nous convient. Je regarde même pas les compos. On a Brock James. D'accord. On a Gabriel Lacroix. Allez, ça va être. Pour l'honneur de Gabi, de Gabriel Lacroix, on va mettre le pâté. Tu as vu Trévis qui gagne tout en Pro 14 Rainbow Cup et le Connard qui a battu le Munster et le Leicester à l'extérieur. Alors oui, alors attendez, je regarde vite fait les touches et après on en parle. Tac, 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 attends.
Mince, numéro 1, demi de mêlée, courir. Ok, ça c'est pour sortir la balle, c'est intéressant. Mince, j'ai oublié. Ça pour... Si ça pouvait encore me remettre une autre... les autres touches. Ah, il n'a pas eu le temps. Bon, en Angleterre, je n'aime que Ben Youngs. Ah. Ben Youngs qui a refusé encore une fois, la deuxième fois qu'il refuse la tournée des Lions britanniques. La première fois, c'était pour un cas de cancer dans sa famille proche. Il avait préféré rester au chevet, etc. Et là, c'est parce qu'il attend un deuxième enfant, je crois. Donc, on va jouer en blanc. C'est ça? Oui. Alors, augmenter puissance, réduire puissance. Et hop. Non. Et attendez, comment on tape? Y. C'est ça? Oui. Allez, alors, après. Je crois que c'est. Il faut que je retrouve les touches, ça va être laborieux. X, c'est ça. X. Croix pour. Croix. A pour courir vite. Allez. Allez, il y a des intervalles. Allez, ça y est, ça commence. Sauf qu'on a un blessé. Je disais, ça commence. Sauf qu'on a des blessés. Et là, on manque de soutien, on va la perdre. Oh là là, et en plus, on garde la balle au sol. Je suis fier de Montpellier qui recommence de devenir une équipe forte. Et... Oui, c'est vrai. Alors après, salut Aline. Il va revenir à la pénalité. Non, il revient pas à la pénalité. Ah si. Oui, Montpellier revient fort et Montpellier va peut-être faire... On a un blessé, attendez, on a un blessé. On a un blessé, on a bah, Brock James qui est blessé. On va mettre Aguillon. Alors je sais pas ce que ça va donner parce qu'Aguillon c'est un centre. Hein. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est gay. Gabriel Lacroix, non, c'était Brock James qui s'est blessé. Bon, ils ont trouvé la touche. Allez, on va essayer de shipper cette balle en touche. Ça serait bien. Non. Alors, le truc, c'est que. Il faut que je me souvienne de nouveau des touches. Alors, c'est B, hein, je crois, pour. B pour plaquer. Mais j'ai oublié les touches pour affûter. Oh, ça va. Ça, il est bien tapé ce jeu. Allez, un petit mol. Alors, le truc, c'est que moi, j'attends vraiment beaucoup un Rugby Champions 2. Vous voyez, un jeu comme ça avec des graphismes un peu plus beaux. Et puis surtout, surtout un peu plus de dynamisme. Et c'est fini. Hein. On parle plus de Rugby Challenge. Hein, mais. Ouais, c'est pas mal fait ça. Parce que vraiment, je peux vous assurer. Manette en main, ce jeu, vous avez un sentiment de réfléchir tactiquement, de penser votre rugby en fait, qui est bien bien mieux faite que sur un rugby challenge où vous allez juste, allez, j'envoie la balle à l'aile et basta quoi. Là, il y a vraiment une réflexion, enfin, c'est vraiment, ça ressemble plus à du rugby, quoi, et ça, c'est juste trop cool, quoi. Allez, on avance avec le talon. On va imaginer que c'était Pierre Bourgarit. Ah, j'ai pas réussi à faire la passe supplémentaire. Bon, on n'est pas dominé, c'est déjà ça, mais voilà, pour l'instant, on a fixé, c'est pas mal. Ah, j'ai essayé de faire un crochet suivi d'une petite passe, ça n'a pas marché malheureusement. Faire un petit Brive-La Rochelle. Eh oui, on fait un petit Brive-La Rochelle. Bon, c'est le premier match qui est proposé. Ah, oh, on a perdu la balle dans ce rec. Malheureusement. Tu en penses quoi de O'Flaherty? Bon, il est génial. Hein, O'Flaherty qui a été. Je crois que c'est le seul joueur de première chip qui s'est retrouvé d'ailleurs dans l'équipe de la Coupe d'Europe sur l'aile. Donc, bravo à lui. Non, bah, O'Flaherty, il est très bon. Hein. Il a vraiment... il a obtenu sa place vraiment de titulaire aux côtés de Jack Noel sur l'aile d'Exeter. Donc c'est une preuve hein, que t'es solide. C'est marrant parce qu'il est passé par Montpellier. Il a fait une partie de ses études à Montpellier alors que Gabriel Lacroix. Et voilà, on va le faire avec Gabriel Lacroix. On va aller marquer l'essai. Voilà, ça fait plaisir de mettre un essai avec Lacroix. J'allais boire et on est déjà... On ne chôme pas. Hein. Alors, attendez. Le système de but qui est vraiment cool. Hein. Pas facile, mais qui est très cool.
Ah, ça passe pas. Dommage. Mais vous avez vu comment les actions, elles sont cool. Comment vous allez pouvoir des fois attaquer le centre du terrain. Des fois ben, vous allez plutôt... plutôt pas. Attendez, on va essayer. Mais non, c'est parce que je cherche... Je sais plus comment on fait pour... au secours. C'est pas ça que je veux faire. C'est une catastrophe. Heureusement, il y a Botia. Mais on a encore un blessé, là. Eh oh, je trouve plus comment... Ah, ça y est, c'est B, c'est B. Je cherchais la touche pour faire un box kick. Allez. Ils vont jouer au pied. Alors, on va regarder quand même. Mais là, le truc, c'est qu'au centre, vu qu'on a fait rentrer à Guillon... Roudil, l'embolé à l'époque. Allez, Roudil à la place. Hop. On va faire entrer Bourgarit aussi à la place de Forbes. Allez, badabim badaboum. Ah, il faut la... Voilà, elle est récupérée dans les airs, c'est bon. On est au soutien. J'ai envie de tenter le départ avec Botia. Ouais, Botia, non, il s'est fait découper. Imagine un jeu avec le niveau de rugby champion, c'est le but de rugby. Ben, il y a... Ouais, encore une fois, il y a vraiment un mix à faire entre un peu tous les jeux. Hein, vraiment, chaque jeu ont leurs forces et leurs faiblesses. C'est la tristesse du jeu de rugby à 15. C'est que vraiment, il y a des jeux, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Et il n'y en a pas un où tu te dis, ouais, il est vraiment meilleur que les autres. Il n'y en a pas un où tu te dis, ouais, c'est vraiment le plus mauvais. Non, à l'heure actuelle, que ce soit Rugby Challenge 4, Rugby 20, Rugby 08 ou Rugby Champions, ils se valent. Vraiment, c'est difficile d'en voir un réellement meilleur que les autres. Il va tenter. Il a tenté le drop, mais ça va passer à côté. Alors, on a mis quoi, 10 minutes? C'est 10 minutes, mais on est à la première. C'est 10 minutes, une mi-temps, donc c'est 20 minutes le match. Et tu pourras faire un match contre match Clermont-Agen. Alors pas ce soir. Je trouve pas. Oula, oui, j'ai fait un plongeon. Je trouve pas comment changer de joueur. Des fois ça marche LT, mais sélectionner joueur sur à gauche. Ah, sélectionner joueur sur à droite. D'accord. Ah, et RB le défend sur le plus gros. Il faut à chaque fois apprendre les touches. Hein. Allez. Allez, Mouri Valou, joueur qui est maintenant aux Tigers. Je vais également de te poser pour la troisième fois la question, mais Mercer, pourquoi ne joue pas avec Montpellier depuis qu'il est arrivé à Paris? Non, il finit sa saison à... Il finit sa saison à... Attention, attention! Aïe, 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 il finit sa saison à Basse. Hein. Il joue encore à Basse, hein, Zach Mercer. C'est pour ça que tu le vois pas à Montpellier. Zach Mercer, il sera là l'année prochaine avec Montpellier. C'est qui mon joueur préféré à La Rochelle? À La Rochelle, quel est mon joueur préféré? Alors avant, c'était évidemment Gabriel Lacroix. Hein. À l'heure actuelle, je dirais Jules Plisson. J'aime beaucoup Jules Plisson. Allez, boum! Voilà, ça c'est un bon plaquage! Et on récupère la balle en plus. On les a mis à la faute. On a l'avantage, on a la pénalité. On a avantage sur pénalité. Et c'est Botia. Botia, il va pas pouvoir. Allez, on va y aller. Oui. Oui, on a réagi, les gars. On a réagi rapidement. Et Kevin Gourdon, qui est un bon joueur aussi, que j'aime bien, d'ailleurs, à La Rochelle. Et salut, Joe. Supporter du Biarritz Olympique, n'est-ce pas, Joe? Tu le sens bien, ce week-end, la demi-finale, face à l'USAP? Je crois. Allez, c'est reparti. Deuxième mi-temps, on mène 12 à 7. Et donc, vous voyez, vraiment, ce jeu, tu lui mets un peu de dynamisme. Et ça devient une... Ça devient un monstre, ce jeu. Parce qu'en plus, avec le workshop, comme vous l'avez vu, il y a les joueurs, il y a les maillots. Alors, attendez, on va faire... On va jouer au pied. Oh, c'est fait contrer.
Parce que ceux qui sont pas au courant. Oh là là, il est passé! Gabriel Lacroix! Gabriel Lacroix! Un autre crochet! Oh, Gabriel! Allez! Ah non, là ça va être difficile. Oh, il a explosé le ballon au contact, dommage. Hop, 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 on n'a plus personne! Hein, c'est la cata! C'est la cata! Aïe, 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 aïe. Donc, je vais réussir à finir ce que je voulais dire. Oui, ce jeu, en plus, il a vraiment beaucoup de subtilités qui sont maîtrisées par rapport à d'autres jeux de rugby, comme Rugby Challenge ou Rugby 20, du genre l'en avant, le hors-jeu sur en avant, ce genre de truc. Vous savez, les en avant repris devant, etc. Ce jeu, lui, il l'a fait. Non, c'est plus Rugby Challenge 4. Si tu regardes le début du live, c'était bien Rugby Challenge 4. Là, je finis juste le live avec un petit match sur Rugby Champions pour nous remémorer à quel point on attend impatiemment un Rugby Challenge, un Rugby Champions 4, un Rugby Champions 2. Je dis Rugby Champions 4 parce que pour moi, il n'y a même pas eu de Rugby Challenge 4 tellement c'est le même. Allez, boum, on essaie d'avancer. Allez, on est à 5 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Allez, cette fois-ci, on fait la petite passe, Botia. Allez, ouais, bien maintenu, mais ça va, on est au soutien. On va y aller avec les gros, hein. Je vous propose de faire un peu de pick and go, mais on n'avance pas, attention. Allez, on va essayer plutôt d'envoyer derrière cette fois-ci, avec Mouri Mouri Valou. Allez, Mouri Mouri Valou qui explose le ballon. Aïe, 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 aïe. Oui, Biarritz, un nouveau sponsor. Oh mince, j'ai pas appuyé, j'espère qu'on va pas être pénalisé. Ça va. On n'a pas été pénalisé, c'est déjà ça. Mais le temps défile, le temps défile, les gars. Allez, Mouri Mouri Valou. Aïe, il s'est fait lober. Allez, les paris sont ouverts. Est-ce qu'on va le faire d'aller chercher la gagne? Encore un en avant, mais c'est pas possible. Nos joueurs qui explosent tous les ballons au contact. Pourquoi Montpellier est toujours meilleur et serré en fin de saison? Et pas toute la saison. Bah écoute. C'est parce qu'il y a peut-être trop de turnover, donc les joueurs sont pas prêts en début de saison, vu qu'ils se connaissent rarement beaucoup, vu qu'il y a un tel turnover, que ben, forcément, les joueurs, ils arrivent. Et tu peux pas demander à des joueurs qui viennent d'arriver depuis un mois d'être déjà... Voilà. Vous savez, ben, je fais du rugby au Stade Toulousain. Ah non, je savais pas. Ben écoute, tu es champion d'Europe. Rigole. Mais c'est bien, moi j'avoue que j'aimais pas trop affronter, je les ai affrontés une fois le Stade Toulousain, quand j'étais gosse, et ils faisaient un peu leur starlette, voilà. Ça, enfin, vous savez comment c'est, ceux qui font du rugby un peu en campagne et tout, bah c'est à la cool quoi, et c'est vrai que quand les joueurs du Stade Toulousain étaient arrivés, on était là, mais ils se prennent pour qui les mecs, ils arrivaient, t'sais. Vous savez comme... Comme les équipes de foot, vous savez, avec juste les casques et tout. C'est à une autre époque en plus, hein, je vous dis ça. Vous vous rendez compte? Et on était là, bon, ok. On a un avantage sur en avant. Hein. Est-ce que Gabriel Lacroix peut aller faire le doublé? À 3 minutes de la fin du match. Non, il pourra pas, donc on va revenir. Intérieur, crocheté pour permettre au soutien de revenir. Et on enchaîne. Et on repart avec un peu de pick and go avec Jolmes. Et sauf qu'on a perdu la balle, les gars. On a perdu la balle. Ça ne nous va pas, ça. Ça va être difficile d'aller gagner ce match. Vous la sentez, la difficulté, qui n'est pas du tout la même que sur Rugby Challenge 4? Elle pique, cette difficulté. Mais ça fait du bien de jouer à un jeu qui te met un peu de défi, quoi. Parce que c'est vrai que... Oh là 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 là. Ils avancent. Allez, et on ne vole pas les ballons dans les rucks. En plus, les Brivistes qui arrivent à bien conserver. Brive qui, eux, alors je ne sais plus qui joue ce... Il joue le Racing ce... Oh là là, il est passé devant en plus. Ah, catastrophe, catastrophe, les gars. Sima, oh là là, il va taper le drop. C'est à côté, c'est à côté. Heureusement. Joue avec le BO après. Ah, je pense pas qu'on va... Je pense qu'on va essayer de finir proprement ce match déjà. Le BO, je jouerai avec eux s'ils sont en finale de Pro D2, comme je l'avais annoncé que je ferai la finale de Pro D2. Allez, on va récupérer ce ballon. Oui, voilà, ils n'ont pas gardé la balle au sol. Ils n'ont pas voulu être pénalisés. C'est intelligent. C'est intelligent, c'est intelligent.
Allez. Ouais, ça va être difficile, hein. C'est un gros uni à Tonio. Mais Boudin. Aïe. Poussé en touche. Hein. En Krabos, tu joues, d'accord. Ah oui. Non, je suis jamais allé jusqu'en Krabos, moi, vu que j'ai arrêté en KD. Ah, on vole pas la balle. J'ai perdu sur RC4 aussi. Oui. Enfin, perdu sans avoir perdu. Si tu regardes le nombre de points encaissés que j'ai mis et encaissés que j'ai mis. Oh là là, Botia qui explose le ballon au contact. Et on a perdu la balle. Aïe, 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 il y a 10 secondes de la fin. 10 secondes, il faut récupérer le ballon dans ce rack, sinon ça sent pas bon. Hein, je vous l'annonce. Allez, oh le plaquage en avançant. Oh, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? La Rochelle va-t-il le faire? Allez. Allez, Botia, voilà, dans l'intervalle. Et là, on tente la croisée retour intérieur. C'était pas mal, ça. C'était pas mal, hein, là, au final, de décider de mettre une croisée. Par contre, là, on sait pas trop quoi faire, donc... On va regarder. Oh, j'ai essayé d'aller repiquer l'intérieur avec Botia, sauf que Botia, il explose le ballon au contact. Oh là là là, ça n'a pas voulu. Allez, un petit derby contre Bayonne. C'est vrai que j'en ai... Mais bon, là, je vais m'arrêter là, moi, pour ce live. Le but, c'était de faire RCT UBB. Et là, c'était un petit bonus sur ce jeu, mais voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, ce live. Voilà, on se retrouve... vendredi soir, je pense que je ferai pareil, un petit live sur Toulouse-Clermont. Ce sera l'occasion de discuter de ce match qui s'annonce tendu, parce que c'est pas les mêmes objectifs chez les deux équipes, et puis ça va pas être le même état de fraîcheur, je pense, surtout. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Encore 2 jours avant le week-end. Bye bye, ciao tout le monde.